Bamba! Les Égyptiens qui ont fait rentrer deux joueurs là, qui discutent leur première minute dans ce tournoi, Ahmed Raouf en attaque en lieu place de Zidane. Il a 27 ans, c'est sa 9e sélection et il a déjà inscrit un but procédé en compte comme ici. Attention avec Abdel Shafi. Abdel Shafi qui est passé. Abdel Shafi encore un peu gourmand sur ce coup. Ses mains n'étaient pas dans une phase où elle était dangereuse. Le Bénin a malheureusement encaissé un but en ce moment. Attention à Mohamadi qui est passé. Mohamadi le buteur, le centre en retrait. Et finalement, coup d'œil déjà. C'est vrai que la passe était magnifique pour la tête. Est-ce qu'on considérait ça comme une passe décisive, même si c'est un motif non plus en train de remporter cette première mi-temps. Ahmed Hassan avec trois joueurs de Nîmois sur le dos, il perd le ballon, ça va repartir avec là, Gombili notamment. Qui trouve son partenaire Gali. Oh, c'est bien joué ça. Moto merci. Voilà, c'est bien joué. Ça écarte. Je vois qu'il était là pour Houston pour couvrir. L'ancien médecin dosé bien donné, heureusement que les Égyptiens étaient vigilants. Il faut rester vigilant derrière avec eux. Montoya aussi n'a pas pu couper la trajectoire ou du moins changer la trajectoire de ça. Les Béninois veulent terminer en beauté ce tournoi et de l'autre les remplaçants égyptiens veulent prouver à leur entraîneur qu'ils sont des titulaires puissants. On voit sur le bord des touches Mohamed Zidane qui n'a pas tardé à faire son entrée. Ah, il a fait 70 mètres pour récupérer ce ballon. Ouh, bon et du Cameroun, voilà. Ah, il y a la Tunisie aussi dans le coup. Oui, pour l'instant, c'est le Gabon et la Zambie. Oui. Le Gabon est en tête, le Cameroun est deuxième avec un point en moins. Et la Tunisie. La Tunisie a deux points. Ah, c'est encore serré pour la dernière journée, mais Ahmed Hassan et ses coéquipiers, pour l'instant, se soucient peu de leur adversaire. Ils déroulent leur jeu. Et c'est vrai que c'est encore serré pour la dernière journée, mais Ahmed Hassan et ses coéquipiers, pour l'instant, se soucient peu de leur adversaire. Ils déroulent leur jeu. Et c'est vrai que. Et le pressing égyptien. Djigonou. Ouais. Adenon. Le ballon qui revient. Chrysostome. Djigonou. La relance. Côté gauche pour Adenon. Finalement, ballon perdu avec l'Egypte qui peut se montrer dangereux. C'est bien fait la talonnade. Le ballon. Djedo pour son premier ballon. Quelle occasion pour le Bénin avec un ballon qui passe à côté, mais ça aurait été difficile pour El Hadary. Oui. On est tenté de dire ça ne fait que 2-0. Donc il y a la possibilité pour les Béninois
de réussir quelque chose dans cette rencontre avec les espaces qui se créent là depuis un certain temps et les occasions aussi en même équipe du Bénin qui pointe le bout de son nez, beaucoup de générosité hein, même les Égyptiens qui Yannick trouve un partenaire mal dosé ce ballon